Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à la Bibliothèque des 5 Avenues. Enfin, pensez naïvement que vous êtes à la Bibliothèque des 5 Avenues, mais vous allez voir, on ne va pas tarder à sentir le sable chaud de Copacabana et les moustiques de l'Amazonie, puisqu'on a la chance ce soir de recevoir Jean-Paul Delfino. Merci Jean-Paul Delfino Mais d'avoir c'est moi qui accepté vous remercie. l'invitation. Le plus chanceux, ça va être moi, parce que pendant 1 heure, je vais avoir la chance de vous poser des questions. Parce que vous croyez que ça va durer qu'une heure. De vous poser 2 questions, du coup. D'accord. Une par heure, c'est Voilà. mieux. Mais vous ne vous inquiétez pas, on gardera un moment à la fin un peu d'échange, voilà, si vous avez des questions à lui poser, mais pas trop, parce que sinon, on va passer la nuit, mais pourquoi pas, finalement. Avant de commencer, j'aimerais juste rappeler que cette rencontre s'inscrit dans le dispositif On lirait le Sud, piloté par l'Agence régionale du livre, salut, et en partenariat avec la librairie Maupetit, qui est là ce soir, merci. C'est un dispositif qui permet de mettre à l'honneur des auteurs régionaux dans les bibliothèques et librairies tout aussi régionales, donc ça fait pas mal de belles rencontres qui se passent en ce moment, donc je vous invite à regarder le programme, il y a pas mal de belles choses. Alors, je vais tâcher de vous présenter en quelques phrases, ce qui est un exercice, ma foi, ardu. Alors, Jean-Paul Delfino, vous êtes né en 1964 à Aix-en-Provence, et vous passez votre enfance entre Aix et Berre-l'Étang. Alors, j'ai lu dans plusieurs interviews que vous avez grandi en ayant 3 rêves. Devenir footballeur. Normal. Prof de français. Moins normal. Voilà. Et romancier. Oui, je disais écrivain à l'époque. Oui, écrivain. Mais je savais pas qu'il y avait 3 stades, mais ça on en parlera après si vous voulez. Super. Alors, 3 rêves que vous avez finalement exaucés et accomplis assez vite, en plus. Et nous, on en est très contents, surtout pour le rêve d'écrivain, finalement. Enfin, Merci. nous, footballeurs, je n'ai pas pu juger, mais... C'est disons qu'aujourd'hui je serais un très très vieux footballeur, tandis qu'en tant qu'écrivain, je suis encore représentable. Grosso modo, c'est ça. Alors, vous publiez votre premier roman dès 88. C'était pas un roman, c'était le premier Premier livre en livre, Europe pardon. sur la musique brésilienne. Ouais. Alors, le Brésil, on va y revenir, qui a occupé une petite part quand même dans votre carrière littéraire, hein. Puisqu'après une série de polars typiquement marseillais, vous lancez dès 2005 dans l'écriture d'une saga, Oui. appelez ça, votre suite brésilienne, forte de 9 romans, quelques 6000 pages à ce jour. C'est possible. Voilà, bon, je ne les ai pas comptées une par une, Moi mais non je plus. sais. Et qui retrace plusieurs siècles de l'histoire du Brésil. Ouais. Alors, première question, tout simplement. Alors, comment le gamin aixois, issu d'une famille d'origine italienne, se retrouve à passer 25 ans de sa vie à écrire sur le Brésil? Alors, tout d'abord, bonsoir à toutes et bonsoir à monsieur. Ça illustre bien que 80%, 90% des lecteurs maintenant sont des lectrices, ce qui, moi, me ravit et me désole à la fois. Maintenant, pour répondre à cette question, s'il y a des gens profondément cartésiens dans la salle, ils sont priés de se boucher les oreilles parce que je n'ai aucune réponse intelligente à donner. Tout ce que je peux dire, c'est. La première fois ou quand vous tombez amoureuse ou amoureux de quelqu'un, vous croisez 5 000 personnes par jour, et puis d'un coup, vous croisez le regard de quelqu'un, vous vous dites, c'est parce que. Voilà, donc ma seule réponse, c'est parce que j'ai pas de. Ou alors, c'est une histoire de métempsychose, et j'ai vécu au Brésil dans une autre vie, mais j'étais élevé à Berre de 0 à 13 ans, et Berre à l'époque, c'était bien plus compliqué que la Paternelle ou la Busserine. C'est aujourd'hui, ça s'est un peu embourgeoisé, mais. Donc moi, c'est le Brésil, mais on n'en avait jamais entendu parler. Si, je connaissais une fois par an des images, vous n'êtes pas toutes trop jeunes pour avoir connu ça, c'est des télés qui pesaient 12 tonnes en noir et blanc avec 2 chaînes dessus. Et de temps en temps, je voyais une fois par an des femmes absolument sculpturales avec une plume dans les fesses qui se trémoussait. Et j'entendais Carnaval Brésil. Donc ça m'a percuté. Et après, ça a été le football, donc Pelé. Et pour moi, Pelé était un génie. Après, je l'ai connu, je l'ai rencontré. Je dirais plus tout à fait la même chose sur le plan humain. Mais oui, je crois que c'est venu de ça. Normalement, j'aurais dû rêver à hauteur des cheminées d'usine ou comme mon père et ma mère tentaient l'aventure du professorat. Je l'ai fait un an, hein. Je n'ai pas tenu plus parce que quand on est prof, si on est un vrai prof, on ne peut pas à la fois être prof et écrire. Ça, c'est une gageure impossible à tenir, à mon avis. Et puis c'est comme ça qu'au hasard d'une.
d'une musique. Au hasard, mes parents ont divorcé, j'avais 11 ans. À 13 ans, je suis arrivé avec ma mère et ma sœur à Aix. Et puis j'ai découvert un disque qui s'appelle Getz Gilberto, qui est le disque le plus vendu au monde, n'en déplaise à comment elle s'appelle, celle qui vend le plus. Je ne connais pas les nouvelles, c'est... Aya Nakamura, c'est la plus nouvelle des nouvelles, donc celle qui était juste avant. Taylor Swift, par exemple, oui. Donc Getz Gilberto, non, ça reste au-dessus de Michael Jackson et des Beatles. C'est un truc complètement incroyable. Et je crois que sur un morceau de musique, votre vie peut basculer. Ça peut être une histoire d'amour avec un homme ou une femme, ça peut être un paysage, mais je crois que la musique peut vous transporter. Et là, j'ai compris, c'est même pas que j'ai compris, c'est devenu une évidence pour moi, que j'étais français, je suis bien français, d'origine italienne et j'en suis fier. Mais en même temps, j'avais un lieu jumeau. Avant, je disais j'ai un pays jumeau. Non, je crois que ce sont des lieux. C'est très bizarre à expliquer, mais vous connaissez sans doute des gens qui ont gagné par hasard un voyage en Irlande, au Mexique, où vous voulez, et qui reviennent complètement transfigurés, qui abandonnent tout ce qu'ils ont ici pour aller vivre autre chose ailleurs. Donc pour moi, c'est depuis cet âge-là, grosso modo, j'ai toujours, pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux cultures. Donc je suis plus complètement français, je ne serai jamais totalement brésilien. Donc je me suis retrouvé finalement dans la formulation de Blaise Cendrars, qui disait « je suis un citoyen du monde », et c'est ce que je préfère finalement. Mais du coup, la part de la musique, elle est finalement importante Oui, oui, là-dedans. oui. Ben, quand j'ai découvert ce disque, c'était très, très, très amusant parce que c'était une queue de soirée, donc il n'y avait presque plus personne, et d'un coup, c'est un vinyle, c'était plus, j'allais dire, un CD ou un DVD, c'était déjà des trucs de dinosaures, ça. C'était même pas un lien, donc c'était un vinyle, et quand j'ai entendu ça, j'ai eu ce que j'appelle, moi, mon premier AVC artistique. Vraiment, j'ai une douleur intense au niveau des tempes, je me suis dit, je vais crever, qu'est-ce qui se passe? Alors, je jouais, et je joue toujours Brel, Brassens, Nougaro, pour plaire aux filles, Led Zepp, Stairway to Heaven, ce genre de choses, donc tout ça, je maîtrisais, mais à force d'écouter, je comprenais qu'il allait me falloir 40 ans pour maîtriser la main gauche, qui est celle qui forme les accords, mais la main droite, c'est une question de millième de seconde. Donc, comment arriver à mettre autant d'énergie, autant de sensualité, je parle de la bossa nova, ou de soleil quand on parle du samba, uniquement avec cette main droite. Et donc, à ce moment-là, c'est comme si on m'avait ouvert une porte, c'est comme si on avait tiré des rideaux en me disant, voilà, tu as ce sentier, tu peux le prendre, ou si tu ne veux pas le prendre, tu restes là et tu restes un bon Français. Donc c'est vraiment par la musique que j'ai plongé là-dedans. Et puis ma première interview à l'Institut de journalisme, j'ai eu une chance extraordinaire, c'était Astor Piazzolla, le grand tanguiste. J'ai fait l'interview en espagnol à la Marseillaise. Vous voyez, crâne dégueu, j'y vais, pas de problème. Et en fait, après ça, je suis sorti major de promo. Par le plus grand des hasards, je vous raconterai si vous voulez. Non, 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 non. Tous les autres ont fait un travail sérieux. Moi, je me suis dit, ça m'emmerde, c'est l'époque des radios libres. Donc, je vais écrire un recueil de nouvelles. Et là, c'est ou 0 ou 20. Et comme mon directeur de mémoire, c'était Pierre Christin, qui est un des plus grands scénaristes de BD, il m'a mis 19 et demi. C'est comme ça qu'on sort major de promo, c'est tout. Hein, et donc, tout ça pour dire quoi? Je sais plus où j'en étais. C'était intéressant pour toi. Non, non, votre entrée finalement, enfin le Brésil à travers la Oui, musique. donc première interview en sortant de Bordeaux, ça a été Baden-Powell. Et Baden-Powell, lui, il a fini d'enfoncer le clou, je raconte vraiment même pas une minute. Je vais à son concert, j'essaye de rentrer backstage, parce que major de promo, j'avais droit. Sauf que je suis tombé sur son impresario qui m'a jeté mais comme du poisson pourri. Je l'ai encore fait à la Marseillaise, je suis passé par derrière, je me suis débrouillé. Et Baden m'a donné rendez-vous le lendemain à 9 h, c'était à Saint-Martin-de-Crau, ce qui est totalement incroyable. Et Baden-Powell, c'est juste le plus grand guitariste de tous les temps, à mon avis. C'était un mec exceptionnel. Le lendemain, à 8 h, j'étais au garde à vous. À 9 h, personne, normal. Là, j'ai compris ce qu'étaient les rendez-vous brésiliens. À 10 h 30, toujours personne. À 11 h, il est arrivé. Il avait un œil derrière la tête, l'autre sous le pied. Il était comme la veille au soir quand je l'avais quitté. Et là, il m'a donné une interview qui a duré 7 h, non-stop. Mais quelque chose
Imaginez-vous, vous êtes un gamin de 19 ans, 20 ans, et vous êtes Baden-Powell, vous n'avez rien à craindre de ce mec-là. Sauf que quand on s'est rencontrés, il s'est aperçu que je ne parlais pas brésilien et que lui ne parlait pas français. Mais avec de la bière, on a réussi à s'entendre. J'ai gardé les interviews, c'est vraiment ça vaut la peine. Et lui, il m'a parlé énormément de la musique brésilienne, mais il a encore ouvert un peu plus le rideau en me disant, mais le Brésil et sa musique, c'est le fruit des trois racines, racine amérindienne, racine africaine, racine européenne. Il m'a expliqué tout ça et il a commencé à me parler de candomblé, de umbanda, kimbanda, d'orisha, paijissante, maijissante, tout ce qu'on appelle nous des rites vaudous ou des religions animistes. Non, c'est une réalité pour les Brésiliens. Et alors là, mon jardin secret, mon jardin voltairien, il a commencé à se peupler de manguiers, d'avocatiers. Enfin, c'était une espèce de luxuriance complètement folle. Et grâce à lui, bah, après. Ça a été, si je raconte une anecdote sur chacun, il y en a jusqu'à demain, mais j'ai eu la chance d'être ami vraiment avec des gens comme Moustaki, comme Nougaro, comme Pierre Barou, et après de faire le grand saut au Brésil et de rencontrer des gens qui sont toujours mes potes aujourd'hui, Gilberto Gil, Caetano, Veloso, Maria Bethânia, Mara Leão qui est plus là hélas, Ronaldo Bosch, je pourrais en citer encore une dizaine d'autres. Donc j'ai été aspiré. J'adorerais dire c'est moi qui ai décidé d'être un spécialiste de la musique brésilienne. Non, en bossa nova, on est deux au monde à être spécialiste, mais uniquement parce que moi j'ai écrit 4 ou 5 livres. Mais je ne suis pas un spécialiste, je suis un amoureux de la musique brésilienne. Et contrairement à pas mal d'artistes dont je tairai les noms aujourd'hui, j'ai toujours essayé de payer ma dette d'amour au Brésil et donc de servir le Brésil et pas de m'en servir pour me faire un nom sur son dos. Donc voilà, c'est une histoire d'amour qui dure depuis donc l'âge de 13 ans, premier disque entendu, jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait, puta que pariu, aux 47 ans. Non tem nada como o tempo para passar. Il n'y a rien comme le temps pour passer aussi vite. On est bien d'accord. Vous apercevrez bien vite que j'ai pas le même accent portugais que Jean-Paul. Et du coup, voilà, ne m'en voulez pas. Mais... Non, non, s'il n'y a aucun problème, vous voulez rire. Pas du tout d'accent portugais. J'aimerais revenir du coup sur la suite brésilienne ouais. Et sa particularité sous votre chaise. Ah, je l'avais planqué pour. Ah, on est filmé. Ne regardez pas ça, c'est juste pour me tenir pour éveillé. Devoir verser de l'argent à Coca-Cola. Non, c'est Coca-Cola qui va devoir me verser C'est de vrai. l'argent. On va le mettre en gros plan. Alors, on l'a dit, la suite brésilienne, 9 romans entre 2005 et 2015, chez trois éditeurs, Métayer, avec une première trilogie. Corcovado dans l'ombre du Condor et Samba Triste, semble-t-il. Puis Zumbi chez Boucher-Chastel et plusieurs autres livres au passage, 5 du coup. Pour essayer de résumer la suite brésilienne, ce qui est assez impossible, mais on suit le destin d'une famille, deux, mais peut-être aux mêmes ramifications. En révéler à travers 3 siècles du 17e siècle et le Brésil sous l'esclavage jusqu'au 20e, le Brésil et l'époque de la dictature et jusqu'à la fin de cette dictature, avec un livre en moyenne tous les 50 ans à peu près, on saute des fois des générations, mais on les retrouve généralement. Je n'en ai aucune idée. Il connaît mieux mes livres que moi, c'est impressionnant. Très bien. Alors, est-ce que c'était votre ambition initiale de tendre comme ça un fil aussi long. Encore une fois, j'ai été aspiré, je suis un gros feignant en fait, il faut Ça le marche. dire, je vois que ça fonctionne. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, il y a le plus grand éditeur brésilien qui m'a commandé 3 livres, un sur la bossa nova, un sur João Gilberto et un sur Chiquinha Gonzaga. Donc je vais les faire avec un infini plaisir. Et donc, non, moi c'est Anne-Marie Métellier qui reste pour moi l'une des plus grandes éditrices. C'est une femme qui a pris des risques, c'était une féministe engagée, là elle a revendu ses parts à Bolloré, donc après c'est son problème d'éditrice, mais moi elle a été la première à me tendre la main et elle m'a publié je crois 4 pastiches de polar marseillais, ça on pourra en parler aussi. Et puis un jour elle m'a téléphoné, elle me dit bon j'aimerais que tu me fasses de la littérature sérieuse. Alors, je ne savais pas que le polar n'était pas sérieux, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle me dit, non, non, bon, donc j'écris Corcovado, et c'est un bouquin qui est assez gros,
Et donc, elle le lit, elle me téléphone, absolument ravie, enchantée, il n'y a rien à changer, je dis, ouais, formidable. Et j'ai dit, mais il est un peu gros, on pourrait le couper en deux. Mais non, les suites, ça ne fonctionne pas. J'ai dit, ok, elle le publie, le bouquin reçoit deux prix, il est traduit immédiatement au Brésil. Elle me téléphone, elle me dit, finalement, si tu pouvais me faire une trilogie, ce serait pas mal. Donc, ok, on est parti pour une trilogie. Donc, le tome 2, c'est Dans l'ombre du Condor. Qui m'a valu quand même une interdiction de séjour aux USA, ce qui est un peu mon bâton de maréchal, je suis très très fier. Avant l'interdiction au Brésil pour cause de Bolsonaro, donc j'ai mes deux bâtons de maréchaux, je peux marcher à peu près bien. Et donc après ça, je me suis dit, c'est bon, j'ai payé une partie de ma dette d'amour pour le Brésil, on peut passer à autre chose. Et là, c'est vous, enfin les lectrices et les lecteurs, qui vous m'avez, j'ai reçu un nombre incalculable de courriers en disant, c'est bien beau tout ça, mais on veut la suite. Et le problème, c'est que le troisième tome s'arrête en 1984 et l'arrivée, 1984 et la fin de la dictature, pardon, et aller plus avant, ça signifiait prendre des risques avec la réalité, avec le présent, parce que Lula, qui était à l'époque un dieu vivant, 2 ans plus tard, était considéré comme la pire crapule d'Amérique latine. Et il est ni l'un ni l'autre, il est comme nous tous, il est quelque part entre les deux. Donc j'ai pris la décision de faire, et on m'a dit que c'était dans Star Wars, ils ont fait ça, j'ai fait une espèce de préquel, alors je suis très, très mal à l'aise avec les anglicismes, excusez-moi. Donc je suis reparti 3 siècles en arrière, je me suis dit, vogue la galère, on verra bien jusqu'où ça va. Et donc voilà, ce sont deux familles, l'un est un esclave qui est envoyé, bien malgré lui évidemment, au Brésil, l'autre c'est une famille portugaise, qui émigre au Brésil, et donc dans Corcovado, c'est donc le 6e tome sur les 9 chronologiquement, donc moi je suis reparti du début, et j'ai fait en sorte que les destins des fils ou des filles d'une famille et de l'autre se croisent, et comment on peut agir dans un pays qui est le Brésil, mais qui n'est pas le leur. C'est-à-dire, quand on est africain, on n'est pas brésilien, quand on est portugais, on n'est pas brésilien. Donc comment est-ce qu'ils ont pu vivre leur relation, et surtout, quel est le problème de couleur de peau? Ça m'a vraiment passionné, et j'ai appris par le plus grand des hasards, quand j'ai écrit le 4e qui est sorti chez Buchet-Chastel, que j'avais écrit le premier roman sur l'esclavage au Brésil. Il y avait quelques bouquins d'universitaires très bien faits d'ailleurs, mais il n'y avait pas de roman sur l'esclavage au Brésil, et j'ai été à la fois effondré, parce que ce n'est pas mon rôle, et les Brésiliens auraient dû s'en saisir bien avant, mais en même temps, je dois avouer que j'étais un peu ravi et même orgueilleux. Mais ça, je ne l'ai pas fait pour ça, quoi. Alors, on va revenir du coup sur Zumbi, du coup, chez ouais. Buchet-Chastel, qui effectivement revient 3 siècles en arrière. Zumbi, c'est un personnage historique ouais. que je pense peu de personnes connaissent, du moins en France, en Europe. En Amérique latine, il est très très connu et c'est à peu près autant un escroc que Charlemagne. Voilà, mais il cristallise en fait, et c'est là où les dames qui sont ici vont être ravies. En fait, c'est Akualtun ou c'est Dandara, la mère ou la sœur de Zumbi, qui, elles, ont été de véritables guerrières, de véritables chasseresses, mais évidemment, comme on est au Brésil, il fallait que ce soit un homme. Et donc, Zumbi das Palmares, Zumbi de Palmares, qui est le nom qui était donné au village de Nègre. Alors, j'emploie le mot de Nègre en parfaite clarté. Pour moi, Nègre, négritude, négresse, font partie des plus beaux mots de la langue française. Et je refuse absolument d'utiliser, comment on dit, de minorité raciale, les Noirs. Première fois où je vais au Brésil, je me retrouve dans une favela, parce que je n'avais pas d'argent, et je fais vite connaissance avec beaucoup de gens, et à un moment donné, je vois passer dans la rue une jeune femme absolument magnifique, je me souviens encore de la robe rouge, mais vraiment une grâce absolument incroyable, et naturelle. Et je me tourne vers mon pote, et j'ai dit, ah, olha que la pretinha, comment elle est linda, regarde cette petite noire, comme elle est jolie. Lui-même avait la peau noire, il s'est levé, il me dit, si tu veux qu'on se fasse, je m'en vais. Je dis, mais pourquoi? Et il me dit, aqui no Brasil, preto é uma cor, negro é uma cultura. Ici au Brésil, noir c'est une couleur, nègre c'est une culture. Donc, comme on est en plein wokisme, cancel culture, et j'en passe des pires et des encore bien pires, moi je ne veux pas qu'on me dépossède de mon langage. Et je vous promets que ce n'est pas une petite.
une petite colère qui sourd en moi depuis quelques jours, c'est que ça fait déjà 4 ou 5 ans que je suis extrêmement inquiet. Tout est devenu inflammable. En matière d'utilisation des mots, on ne peut plus employer n'importe quel mot. J'ai même un pote, dont je tairai le nom, qui a publié 7-8 romans chez Flammarion, et qui me dit ouais, « ils ont accepté mon prochain roman, mais ils m'ont dit qu'il fallait que j'enlève 2 occurrences du mot blonde ». Et j'ai dit pourquoi? Il me disait non, parce que ça fait 3 occurrences du mot blonde et ils ne veulent pas de procès. On ne peut plus dire qu'une femme est blonde, qu'un homme est blonde. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, je ne suis pas là pour m'énerver devant vous non plus. Mais c'est juste pour dire qu'à partir du moment où on enlève un maçon sa truelle, ses moellons et son ciment, pour construire un mur, ça va devenir compliqué. Ou alors on va tous écrire avec les 150 mots usuels de la langue française et ça en sera fini de la littérature générale. Surtout que alors. Pour Zumbi, sur les termes par Antenek, vous le mettez dès l'avertissement au début. Et alors, je ne m'en souvenais pas, je vous remercie. Quelqu'un l'a mis pour vous. Dans cet ouvrage, contrairement à l'usage que l'on fait en France, le terme de nègre remplace celui de noir. Au Brésil, négro possède une valeur de négritude, une revendication des racines africaines qui, avec les Indiennes et les Européennes, ont bâti et bâtissent toujours le Brésil. Noir ou préto, ce n'est qu'une couleur. Ça rejoint le concept de négritude d'Aimé Césaire. Enfin, qui ne l'a pas inventé. Qui ne l'a pas inventé. Non, c'est René Maran qui l'a inventé. Ça, je pourrais vous raconter son histoire. Il vient de sortir une BD sur lui, mais c'est pas le moment. Je crois. Hein, moi, je peux tout vous raconter. Mais alors là, on fait monter les pizzas et on se met à l'aise. Alors, Zumbi, pourquoi est-ce qu'il est important, finalement, pour la constitution de la culture afro-brésilienne, je ne sais pas si je peux employer le terme, qu'est-ce qui fait que ce nom est important, important au point que du coup, c'est un personnage qui, son nom, vous l'avez, le nom Zumbi, vous l'avez employé pour plein de personnages finalement à travers vos romans, puisqu'il y a toujours un Zumbi quasiment dans vos romans, jamais le même forcément, mais sans trop en révéler, il y a toujours un membre de la famille que l'on suit qui s'appellera Zumbi. De la même façon que je m'appelle Delfino, mon père s'appelait Delfino, mon grand-père s'appelait Delfino, exactement. Parce que Zumbi, c'est la reconnaissance de la négritude qui a mis très très longtemps au Brésil avant de vraiment éclore. Ça remonte qu'aux années 50. Et donc je crois que je suis un peu fâché avec les Brésiliens très riches qui, eux, sont d'un racisme absolu. On a tendance à croire, nous en France, le Brésil, ce n'est que Copacabana, les jeunes femmes qui dansent, la musique, le carnaval. Il n'y a que du racisme de classe, il n'y a pas du racisme de peau. C'est de la foutaise, bien sûr qu'il y a du racisme de peau, bien évidemment. Donc, à partir du moment où il n'y avait pas encore de roman sur Zumbi das Palmares, donc pour moi, ça m'a semblé logique de lui rendre hommage, même si ce n'est pas lui qui est le véritable héros. Si je devais le réécrire aujourd'hui, je ferais celui d'Aqualtuna ou celui de Dandara. Ça, c'est évident. Mais à ce moment-là, j'ignorais encore quelles étaient leurs importances respectives et je me suis engouffré sans doute au plus facile. Je ne le regrette pas parce que je crois que ça valait la peine et je parle de ces deux femmes là-dedans. Mais non, puis Zumbi est quand même c'est presque un synonyme de négritude. On peut revenir peut-être une minute sur le Quilombo dos Palmares. Enfin, ouais. Parce que pareil, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert. Enfin, après, en cours d'histoire, voilà, l'existence d'une communauté libre dans le nord du Brésil, à cette période-là, qui luttait contre l'oppression, contre l'esclavage, sans trop en révéler, ça n'a pas forcément bien fini pour eux. Ils ont tenu 100 ans, quand même. Quand même. Ils ont tenu 100 ans, et il faut s'imaginer que les Palmares, c'était... Il y avait plus d'habitants au Palmares que dans la capitale, qui était Rio. Donc je crois qu'il y avait 30 000 habitants dans les Palmares, il devait y avoir 15 000 habitants à Rio, donc c'était vraiment, et c'est d'ailleurs pour ça que les Portugais, ensuite les Français, après les Hollandais, et à nouveau les Portugais, ont fait la chasse à ces gens-là, qui étaient extrêmement dangereux, parce qu'ils étaient indépendants, des nègres qui veulent être indépendants, c'était juste inconcevable pour les Brésiliens. Sur vos 9 romans, alors il y a un côté très cyclique, je trouve, dans la suite. C'est possible. Bon, pression, parce que... On retrouve toujours cette même famille et il y a des thématiques qui transcendent. Le Brésil qui est toujours confronté finalement au même rêve, mais que je trouve qu'en même temps c'est les mêmes démons, enfin une espèce de quête de la modernité à l'européenne, et en même temps une appropriation terrible des ressources avec l'écrasement des populations plus faibles, sous l'esclavage et même après, enfin toute cette période un peu floue où l'esclavage qui est aboli peut-être, on ne sait pas, on continue, pourquoi pas.
et même jusque, enfin, finalement, dans la période de la dictature, où sur l'appropriation des ressources, écrasement des populations, et ainsi de suite. Alors, je vais vous poser une question très philosophique, et vous pouvez répondre, je ne sais pas. Est-ce que les choses peuvent-elles vraiment changer? Non. Ou est-ce que ça... Voilà. Voilà, ça, la réponse est claire, nette, précise. Aujourd'hui, vous parlez avec des Brésiliens qui ont un peu réussi ou qui sont nés sous la douche. Leur seul rêve, mais vraiment, en tout cas, 99% des gens que j'ai rencontrés, c'est de quitter le Brésil et d'aller habiter à Miami. Ça, c'est leur rêve absolu. Donc, ce sont des gens qui crachent sur leur propre culture qu'ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, vous parlez avec des jeunes gens de 30 ans, ils ne savent pas ce qu'est la bossa nova. Ils n'ont jamais entendu parler. Zumbi, ils ne savent pas qui c'est. Chiquinha Gonzague, qui est quand même la première femme chef d'orchestre au monde, je ne vais pas en parler parce que je vais écrire un livre dessus, qui sera publié en France d'ailleurs, mais rien que Chiquinha Gonzague, c'est une femme qui est née d'un père militaire et d'une mère servante nègre, négresse. À 16 ans, son père la force à se marier avec une espèce de cadet qui a pas les épaules, qui lui fait un enfant. À 17 ans, elle prend son gamin sous le bras et elle part et elle vit dans la rue pendant je ne sais pas combien de temps. Et puis, à un moment donné, elle commence à vraiment faire de la musique de qualité. Et son premier réflexe, c'est de vendre ses propres partitions au porte-à-porte dans tout Rio pour ramasser de l'argent et racheter la liberté des esclaves. Donc déjà, rien que ça, j'ai la chair de poule. Mais en plus, elle va beaucoup plus loin, après j'en dirai pas plus, elle est invitée par le président de la République, elle y va, ce qui cause déjà un gros scandale, mais en plus, elle se débrouille pour coucher avec la femme du président de la République, qui s'appelle Nair, et qui est la première femme caricaturiste au monde, donc obligée de quitter le Brésil, elle revient, et puis là, elle se prend un amant qui a 37 ans de moins qu'elle. Donc à nouveau, elle est obligée de repartir, cette fois elle va au Portugal, et quand elle revient, elle a la consécration, c'est-à-dire qu'elle a composé 40 opéras, si ma mémoire est bonne, on lui remet la baguette d'or de chef d'orchestre pour l'orchestre national brésilien, enfin, c'est pas quelque chose qu'on donne à n'importe qui, et vraiment, et puis elle a composé ce qui est toujours aujourd'hui la marche d'ouverture du Carnaval de Rio. Donc c'est une femme dont on ne parle pas, les Brésiliens ne la connaissent pas, ce qui, moi, me semble fou, mais... Si on regarde ce que les Français savent de leur propre histoire, je crois qu'on est à peu près, hein, on se vaut les uns les autres. Et la littérature sert aussi à ça. Alors, il y a une ville qu'on retrouve à peu près tout le temps dans votre sud brésilienne, c'est la ville de Rio, oui. Plus particulièrement. C'est souvent un lieu d'arrivée, un lieu de départ. C'est toujours un lieu d'effervescence. C'est Marseille. Il se passe tout. Alors, merci. Voilà, une transition... Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette ville de Rio? Et parce qu'on retrouve des clins d'œil à Marseille, on va à Marseille de temps en temps, enfin, dans cette suite, c'est pareil, un lieu d'arrivée, de départ, d'effervescence, il se passe des choses, en bien, en mal, mais il y a une espèce de ping-pong entre ces, ouais. Deux, voilà, ces deux villes. Pourquoi? Alors, n'ayant jamais été à Rio, quel est le... À Rio, il y a le Corcovado, le Christ Rédempteur, ici on a la Bonne Mère. À Rio, il y a le Maracana, ici on a le Vélodrome. Je peux continuer longtemps comme ça. Non, ce sont deux ports qui sont ouverts sur le monde. Et ce sont deux villes, je dirais, dont on ne sort pas indemne. C'est-à-dire, soit on en tombe immédiatement amoureux, soit on n'est pas fait pour elle. Et ça, je l'ai compris, et ça m'a fait beaucoup rire, mais je suis un peu cruel quand même. C'était à mon deuxième ou troisième voyage, et je fais la connaissance de consulat, enfin, j'en sais rien, avec une dame un peu traumatisée qui me raconte ce qui lui était arrivé. Elle est journaliste, et je tairai son nom, au Figaro, donc elle était arrivée avec les bagages Hermès, les lunettes Chanel, tout ce qu'il faut pour se faire braquer. Le taxi l'amène devant le Copacabana Palace, c'est 1 200 € la nuit, mais la nuit pour la petite chambre, c'est un truc de fou. C'était d'ailleurs le premier gratte-ciel, il doit y avoir 12 étages, de toute l'Amérique latine. Et le taxi la dépose, d'après ce qu'elle me dit, la lumière était entre chien et loup. Donc elle se retrouve avec ses deux valises, le groom met un peu de temps à arriver, et deux pivets, deux gamins arrivent comme ça, et ils sont vraiment beaux comme tout, mais ils sont hyper dangereux. Et ils veulent lui revendre des cigarettes ou des chewing-gums à l'unité. Donc, elle, très, très parisienne, s'il y a des Parisiens, je suis désolé, vraiment, j'ai rien contre les Parisiens. Et elle en pousse un, et le gamin tombe par terre. L'autre, il dit « Ok, pas de problème ». Il la met en joue, il y a 10 autres minots qui arrivent, ils lui ont tout piqué. Et ça, c'est une histoire qui pourrait être parisienne, marseillaise,
ou Carioca de Rio, c'est la fin de l'histoire. Et je lui dis, ben, vous ne devez pas aimer Rio. Il me dit, non, Rio, de toute façon, c'est des sauvages ici. Figurez-vous que le lendemain, il y a un de ces petits morveux qui est venu me revendre mes propres paires de lunettes de vue. Il est belle. C'est très beau. Mais ça n'arriverait jamais à Marseille, ça, c'est sûr. Jamais, jamais. Non, non. Alors, vous avez arrêté la suite, du coup, dans les années 80. C'est possible. Non. Oui. D'accord. Enfin, vous arrêtez en 84, du coup, chronologiquement, l'histoire du Brésil. Ah, oui, d'accord, oui, c'est ça. À l'époque, en vous disant, enfin, effectivement, peut-être prendre du recul. Maintenant qu'il y a eu un peu de recul et qu'il s'est passé deux, trois choses au Brésil, est-ce que ça vous a donné un petit peu envie d'y retourner d'un point de vue littéraire ou d'un côté passer à autre chose et... J'y suis retourné en mars de l'année dernière et j'ai retrouvé, après 5 ans d'absence à Rio, donc je me suis débrouillé, enfin, il n'y a que moi pour faire ça, c'est-à-dire que je me suis retrouvé en Guyane et je suis allé en clandestin au Brésil par Oyapock. Et j'ai croisé des migrants qui, eux, allaient évidemment en sens inverse, et ils me disaient, mais t'es fou, c'est pas par là qu'il faut aller, il faut aller en France. J'ai dit, non, mais moi je vais aller au Brésil. Ah là, tiens, bon, c'est Maroc. Et en fait, après 5 ans de non-visite à Rio, j'ai hélas retrouvé une ville qui, moi, me désespère. C'est-à-dire, oui, c'est beaucoup plus beau qu'avant, c'est plus sûr, mais il n'y a plus d'âme. Il n'y a plus d'âme. Si vous allez au Brésil, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Brésil, Rio aujourd'hui, pardon? Rio aujourd'hui, c'est. Non, vous trouvez l'Occitane, la Fnac, etc. etc. Jusque-là, bon, ça peut se comprendre, mais vous n'avez plus la gouaille que vous pouviez trouver dans ce qu'on appelle les barzis. Il en reste quelques-uns, moi j'en connais, mais il y a plus de sensibilité qui moi, m'a complètement transporté et transformé. Donc aujourd'hui, non, je crois que tout est à vendre, tout est une question d'argent, et je crois que tout le monde plus ou moins se vend. Et les Brésiliens, ben, pourquoi ils ne feraient pas la même chose, vu que nous, on est les premiers à le faire. L'ultramondialisation me désespère, parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec, je sais pas, je disais ça déjà il y a 15 ans, et la fille de Del Papas, je m'en souviens très bien, quand j'ai dit ça, elle me dit « Ah, oh, mais t'es fou, tu parles comme un vieux ». Et je disais « Non, mais maintenant, dans les quartiers, il n'y a plus de différence avec le wesh-wesh entre l'argot des quartiers nord-marseillais et l'argot du 9-3 à Paris ». Il n'y a plus de différence. Ils ont exactement le même phrasé, la même musique et les mêmes termes. Donc je trouve que ça, c'est un petit peu triste. Puis peut-être que les gens sont pas si heureux que ça quand on leur apporte l'ultra-mondialisation. Moi, on ne m'a jamais demandé la permission d'être ultra-mondialisé. Maintenant, plus ça passe, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mademoiselle. Jamais je ne prétends détenir la vérité absolue. Mais je crois qu'à force de vouloir, enfant de tout pays, tenez-vous par la main, non, au bout d'un moment, on a des différences. Et inclusion, je veux bien, mais à quel prix? Après, c'est une question de curseur. Mais là, on rentre dans une discussion philosophique. Donc Rio, aujourd'hui, me déçoit. Si vous allez au Brésil, allez plutôt à Ouro Preto, aller plutôt à Mariana, à Sabará, aller du côté de Belém. Ah, Belém, pour moi, ça reste... Pardon? On a eu le bateau. Ah oui, oui, le bateau. Non, parce que moi, j'étais déjà sur l'Amazon, je vous explique. Vous allez au marché le Vero Pérez à 5h, 5h30 du matin, et vous avez des espèces de jangades, de bateaux, mais surchargés de fruits qui remontent, et vous mangez de l'açaï avec du manioc, un peu de piment. Enfin, je veux dire, c'est juste le bonheur absolu. Là, vous retrouvez encore de la matière purement brésilienne. Si vous allez à San Luis do Maranhão, c'est pareil. C'est éviter les grandes villes. Si vous voulez savoir, toucher un peu pas du vrai Brésil, comme on vous le vend dans les agences de voyage, mais si vous voulez un peu d'authenticité, évitez les gens qui me disent « Oui, j'ai fait le Brésil en 4 jours ». Moi, ça fait 40 ans que j'y vais, j'ai toujours pas fait le tour de Rio. Donc après, tout dépend de ce qu'on appelle faire et connaître. Si on devait inventer un peu, pourquoi pas, s'il y avait un petit zombie encore là, quelque part, plutôt à Rio, parce que, ouais. Toujours, qu'est-ce qu'il ferait maintenant? Où il serait? Il se suicide. Où il fait la révolution. Où il fait la révolution. Voilà. Oui, c'est au Brésil, c'est comme en France. Sauf que les Brésiliens, quand ils se mettent à quelque chose, ils s'y mettent à fond. Et donc,
L'inclusion, qui est le mot maître en ce moment, c'est tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, comme en France, on a, sauf en musique et en football, ça c'est deux choses vraiment à part, mais pour tout le reste, comme en France, on a l'arabe de service, le nègre de service, l'asiatique de service, et on fait passer ça pour de l'inclusion. Mais moi je veux bien qu'ils me prennent pour un imbécile, mais jusqu'à un certain point, quoi. Non, c'est pas ça l'inclusion. L'inclusion ne se décrète pas. L'inclusion, c'est une suite. D'abord, ça demande 30 ans de remise à niveau de l'éducation, de la culture et du respect. Donc ça, c'est une vraie décision politique, c'est la première des choses à faire. Et puis ensuite, c'est aussi une question de savoir vivre ensemble. Donc je crois qu'un gamin qui aujourd'hui aurait... ouais, je crois que soit il se suicide s'il est un peu dépressif, soit il fait la révolution. Je crois que c'est vraiment les seules choses qu'on puisse faire face à cette espèce de cancer qui est en train de nous bouffer, qui est l'ultra-mondialisation. Alors, sans mettre vos livres et vos styles dans une case, mais on va le faire quand même, parce que quand on commence cette question Si ça comme vous fait ça, plaisir, voilà. ça Non, me fait mais voilà. plaisir. On pourrait dire que vous écrivez plutôt des romans historiques. Oui. Voilà. Après avoir quitté le Brésil, vous sortez d'autres romans, forcément, dont Assassin, sur la mort d'Émile Zola. Qui m'a valu un nombre de lettres, de menaces, de morts et d'insultes totalement incroyables. Alors, si vous avez un doute sur la bonne santé de l'antisémitisme, je vous lève les doutes, il se porte très très bien en France. Vous revenez à l'Amérique latine, si on peut dire, avec Guyane en 2023. Un roman qui se passe lui aussi dans cette partie du monde, à peu près à cette même période finalement, enfin une période que vous avez déjà traitée. Avec un héros brésilien. Je vais revenir, mais tout à fait. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette période de l'histoire, l'époque contemporaine finalement? Est-ce que c'est délibéré ou est-ce qu'il y a un vrai nerf comme ça qui vous touche? Alors, je crois que dans tout romancier, auteur ou écrivain qui se respecte, il y a quand même un Don Quichotte qui sommeille. Et quand je me suis rendu compte que j'allais écrire le premier roman historique sur la Guyane, ce qui est totalement absurde, comme pour le premier roman sur l'esclavage au Brésil, c'est pas à moi de faire ça. Donc j'ai écrit ce roman, et pourquoi plutôt les romans historiques que les romans contemporains? Je ne vais pas être très tendre avec notre société, mais elle ne m'intéresse pas. Je suis désolé, moi, et faire du roman que pour faire de la critique, ça ne m'intéresse pas non plus. Et pour critiquer quelque chose, il faut connaître les racines. Et vraiment, la société dans laquelle j'évolue, je veux bien être le 1er août, j'aurai 60 ans, donc je vais passer au rang des vieux cons, pas des très vieux cons, mais j'y travaille. Hein. Chaque jour qui passe, j'y travaille. Mais non, cette société ne m'intéresse pas. J'ai rien à dire sur cette société. Une fois qu'on a dit que depuis 30 ans, on est en train de perdre tout ce qui faisait le sel de la France en matière de culture et d'éducation, une fois qu'on a dit ça, ben, oui, on fait un haïku, on ne fait pas 400 pages ou 600 pages comme Guyane. Et moi, je trouve, dans le fait d'écrire des romans historiques, ben, toujours le fameux adage, si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas qui on est, et on sait encore au moins où on va. Et donc c'est vrai que quand on regarde dans Guyane, c'est criant. J'ai dépiauté, j'ai démonté tout le mécanisme pyramidal de l'occupation coloniale de la France, et ça n'a pas bougé, de la même façon qu'au Brésil, rien n'a bougé. Marseille, pas grand-chose à bouger non plus. Mais la Guyane, il n'y a rien qui... Si, ils ont changé le nom, hein, de Conseil de Guyane, c'est passé à CTG, etc., etc. Mais non, ils ont fait du Macron. On change les noms, comme ça, on donne un coup de ripolin, mais on change pas le mal. Et moi, c'est ça qui me rend un peu hystérique, et surtout que les gens croient ça, quoi. Donc voilà pourquoi j'écris sur le passé, pour mieux comprendre le présent et peut-être faire en sorte que les gens qui auront la gentillesse de lire mes bouquins se posent des questions qu'on ne leur pose jamais, ou en tout cas dans les médias. Ben, j'ai été journaliste une douzaine ou une quinzaine d'années, je ne sais plus, donc on peut frapper sur les journalistes aussi, quoi, mais ils ne font pas leur boulot. Enfin, au bout d'un moment, ça devient pitoyable. Alors, on va résumer juste Guyane en deux. On va essayer de résumer Guyane en deux phrases avant de poursuivre plus loin. C'est le destin de trois personnages issus d'horizons complètement différents, puisqu'on a Clara, une jeune femme qui a malheureusement qui a atterri au bagne, en fait. Alors, je voulais qu'elle soit béroise, mais ce n'était pas possible. Donc elle est aixoise. Et
Et elle va chercher du boulot à Paris, et elle tombe amoureuse pour la première fois, elle a 16 ans, je crois, ou quelque chose comme ça, 15 ans maintenant, ah ben voilà. Et elle tombe amoureuse pour la première fois d'un ouvrier typographe, et c'est, on est en 1800, fin 70, début 71, donc elle découvre Paris, mais comme une fête foraine, c'est, ça crépite de partout, la commune est arrivée, d'ailleurs, s'il y a des féministes dans la salle, plutôt que d'écouter le discours qu'on vous sert aujourd'hui, relisez les discours des communardes de l'époque, c'est elles qui ont tout inventé, enfin, je veux dire, depuis la crèche, la cantine, vraiment, relisez ça, ça se trouve assez facilement, Madame Maupetit ne dira pas le contraire, on trouve tout ça sans aucun problème. Et donc, évidemment, son chéri, on n'en parlera pas, mais elle se fait attraper au sommet d'une barricade, et perquisition chez elle, et on trouve 2 bidons de pétrole. Mais tous les Parisiens avaient un bidon de pétrole pour faire chauffer la nourriture, et même se chauffer eux-mêmes. Sauf que, non, c'était Napoléon III, si la mémoire est bonne, qui dit « je veux pas de pétroleuse », donc elle est envoyée sur le premier bateau, non, d'abord elle descend à Toulon, et de Toulon, elle part pas à Nouméa avec Louise Michel, ce qui aurait été très bien, mais quelques livres ont été faits là-dessus, et j'aime pas aller là où les autres sont déjà allé en matière de littérature. Donc elle part en Guyane et là elle tombe. Alors le bagne de Cayenne, il n'a jamais existé. Voilà, ça c'est une légende. C'est le bagne des îles du Salut, mais le véritable bagne c'était à Saint-Laurent-du-Maroni. Et moi, comme je suis un fouineur qui ne peut pas se réprimer, j'ai découvert le couvent, qui était le bagne pour femmes de Guyane. Donc là encore, si les féministes ou les tenantes de la cause féministe veulent des informations, ce qui s'est passé à ce moment-là entre l'Église, hein, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, je crois. Oui, je crois. Oui, moi aussi. Non, parce que là, j'ai un livre qui sort dans 2 mois. Donc, si vous voulez, on est toujours en décalage quand on fait ce genre d'intervention. Donc, bref, elle se retrouve en Guyane. Vous voulez continuer la présentation ? Non, non, non. Le deuxième, c'est un Brésilien qui s'appelle Manet. Manet, au Brésil, ça veut dire n'importe qui. Donc il est vraiment n'importe qui. Il est né esclave dans une plantation, du côté de San Luis do Maranhão, d'ailleurs. Et puis un jour, Dom Pedro II, l'empereur du Brésil, dit « on fait la guerre contre le Paraguay ». C'est la seule guerre qu'ils aient faite. Hein. Ça a été une catastrophe, une boucherie absolue. Et tous les nègres des plantations, s'ils veulent se ranger sous le drapeau du Brésil, je les libérerai si on gagne la guerre. Évidemment, ils ont gagné la guerre. Et évidemment, quand il arrive dans la plantation, son maître lui dit « tu vas vite remettre ton costume ». Et donc il s'échappe. Et le seul moyen qu'il a, si je l'ai installé à San Luis do Maranhão, c'est que c'est pas très loin non plus de la côte. Et en cabotage, il parvient à atteindre ce qui, pour lui, est le paradis absolu. C'est-à-dire la France a aboli l'esclavage. Donc pour lui, il allait se retrouver sur une terre libre. Quand il verra ce que c'est, il va quand même se poser des questions. Et le troisième, parce qu'il faut toujours un méchant. Alors celui-là, je l'ai un peu gratiné quand même. Hein. Pour me mettre en condition, je vous promets que c'est vrai, je me suis dit, qu'est-ce que serait le fils naturel de Sarkozy et Macron? Voilà. Et je suis tombé sur une espèce de peintre, je ne sais pas comment on appelle ça, une pourriture absolue. Oui, oui. Parce que pour un auteur, enfin pour moi en tout cas, c'est passionnant de chercher dans les personnages dégueulasses, qu'on ne toucherait pas avec le bout d'une canne à pêche, des étincelles d'humanité. Et on en trouve toujours. Ben, je n'irai pas jusqu'à ceux qui disaient « ouais, Hitler il était méchant, mais il aimait les chiens ouais, ». Bon, il aimait les chiens. Mais il y a d'autres étincelles à chercher. Et donc ces trois-là, comme je fais toujours dans mes romans, leurs trajectoires vont se croiser, s'entrecroiser, avec toujours une... C'est pour ça qu'on me qualifie de « page-turner », comme si on ne pouvait pas trouver un mot français. C'est pour ça que la résolution, le paiement des promesses, se fait toujours dans le dernier chapitre ou dans l'épilogue. C'est vrai que vous avez des méchants, des salauds plutôt salaud. Comme exemple, j'ai que l'embarras du choix. Hein. C'est, franchement, vous regardez la télé, vous êtes tranquille. C'est plus difficile de trouver des gens. Et toujours un peu, finalement, bouffi de leur... De leur importance. De leur importance, de leur richesse, et de leur... dans le sud brésilien, la famille de la Fonseca, il y en a des beaux aussi. Oui, oui, et ils ont souvent une chute, d'ailleurs, à l'image de leur vie. C'est... Oui, parce que dans la réalité, les salopards vivent plus riches, plus heureux et plus longtemps que les gens qui travaillent 20 heures par jour. Mon grand-père était mineur de fonds et c'est lui qui m'a appris mes rudiments de politique. Donc oui, ça c'est un problème. Finalement, on retrouve les mêmes thématiques dans cette Guyane que dans le Brésil que vous racontez, c'est-à-dire cette opération coloniale, cette appropriation des ressources, un peuple écrasé.
Qu'est-ce qui vous amène à la Guyane, en fait? Vous, est-ce que c'est en se déplaçant sur place ou ah, ça me plaît, j'ai envie d'écrire sur ces... Alors, je n'écris jamais sur un sujet sans avoir traîné mes pieds là-bas. Donc, il y a beaucoup d'aventuriers Wikipédia. Sur les salons, vous les voyez, c'est à mourir de rire. Ils sont tatoués, vous avez l'impression qu'ils ont fait 20 fois le tour du monde. Quand vous parlez avec eux et qu'ils ont bu deux bouteilles de vin, là, ça commence à devenir rigolo quand même. Mais leurs livres se vendent très bien. Et puis, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais moi, je ne peux pas. Je trouve que c'est un manque d'honnêteté par rapport au public. Ça, à la limite, je pourrais m'en satisfaire, mais d'honnêteté par rapport à moi-même, non. Le matin dans la glace, j'aurais du mal. Donc oui, la Guyane, c'est elle qui est venue me chercher. Encore une fois, j'y suis pour rien, si j'ose dire, il y a 13 ou 14 ans. La directrice du Salon du Livre de Cayenne est venue me voir en me disant est-ce que ça vous dirait de venir au Salon du Livre de Cayenne? Et moi, j'ai dit oui. Où, quand, comment? Elle me dit vous acceptez? J'ai dit mais attendez, je viens en pédalo aussi. Il faut. Et là, elle m'explique que 9 fois sur 10, les auteurs, quand on leur propose la Guyane et Cayenne, disent non. Ils sont terrifiés parce qu'ils imaginent encore il n'y a plus d'indiens anthropophages. Mais il y a des matoutous, il y a des gros animaux, des trucs. Donc il y a une mauvaise réputation sur la Guyane depuis l'affaire Dreyfus et avant ça, depuis l'expédition de Rouen. Enfin, ce serait trop long à raconter ici. Et donc, oui, moi j'ai voulu y aller. Et quand je suis descendu de l'avion, voilà, comme la première fois où j'ai mis le pied à Rio, j'étais chez moi. C'est-à-dire, je n'avais pas tout à apprendre, mais j'avais déjà tous les morceaux dans la tête, il fallait tout réassembler. Et donc, depuis 13, au moins 13 ans, j'y vais deux ou trois fois par an, invité par la Guyane, parfois avec l'aide de la, je ne sais pas si ça s'appelle l'ARL là-bas, ou il n'y en a pas, ben, c'est la CTG, le Comité Territorial de Guyane. Et donc, là, pareil, j'avais pas l'ambition, il y a 13 ans, de faire un livre là-dessus. Donc, moi, j'y suis allé pour m'imprégner de beaucoup de choses. Mais quand je m'imprègne, je le fais vraiment. C'est-à-dire, le premier salon de Cayenne, j'étais mort de rire. Il y avait des Parisiens qui étaient là, ils ont passé la semaine au bord de la piscine. Mais de l'hôtel. Attendez, mais je leur ai dit, mais pourquoi vous restez là? Ah oui, mais c'est dangereux dehors. Eh bien, elle reste au boulevard Saint-Germain, blonde. Moi, ça me semble complètement fou. Donc, quand j'y vais, alors je vais du plus haut, c'est-à-dire Serville, qui est le président de la CTG, on se connaît bien, on a eu des mots, mais ça va. CTG, c'est l'équivalent de conseil régional plus les conseils départementaux. Voilà, ils n'ont fait qu'une seule entité. Mais je vais aussi à Rémire-Montjoly, à la maison pénitentiaire. Je fais plusieurs interventions là-dedans, avec la PJJ, la police pour la jeunesse. Je vais dans le quartier de la Petite Chine ou du Petit Chicago, mais là j'y vais avec un copain qui en vient, parce que c'est comme la Castellane à 4 h du matin. Si vous arrivez comme ça, vous faites déshabiller. Et là j'ai une amie d'ailleurs, ça m'a beaucoup plu, qui m'a sorti une expression. Elle était médiathécaire à Cayenne, après avoir été prof de français. Elle me dit, j'ai vu rentrer une ancienne élève, elle était habillée de rien. J'ai dit, ben ça, oui, pourquoi pas. Donc elle me décrit de super mini-jupe. Et elle vient me voir, cette jeune fille, en me disant, mais madame, madame, les hommes, ils n'arrêtent pas de m'embêter. Alors évidemment, la nuit tombée à Cayenne, si on se balade comme ça, on se fait embêter. Et elle a eu cette réponse qui, moi, m'a vraiment touché. Elle lui a dit, ma fille, il faut avoir l'intelligence de la situation. Et ça, c'est pas anodin. Il faut avoir l'intelligence de la situation. Donc, tout ça pour dire que j'ai. Donc, oui, il y a ça. Puis, il y a aussi tout le côté ouest, pardon. Donc, j'ai descendu plusieurs fois le Maroni, le Lawa. Je fais des interventions chez les Indiens Wayana. Je fais faire énormément de choses. Donc, avant de parler le Brésil, j'ai fait quelques voyages avant d'écrire le premier tome. Donc, j'aime parler. Quand je raconte le quotidien d'un garimpeiro, un chercheur d'or, comme je suis maintenant franco-brésilien, je parle couramment brésilien, mes livres sont traduits en brésilien. Quand je tombe sur des garimpeiros, normalement c'est à New Albine, de l'autre côté de Maripasoula, c'est au Suriname. Je discute avec eux jusqu'à un certain point, parce qu'après il faut se barrer, ils sont vraiment fous furieux. Non, mais là il y aurait un livre terrible à écrire sur l'esclavage moderne, c'est quelque chose de vraiment terrible. Donc tout ça pour dire que oui, moi ce qui m'intéresse, c'est de vraiment connaître tout. Quand je parle d'un jus de coupoassou qu'on ne connaît pas en France, pour moi c'est le meilleur fruit du monde. Si vous avez l'occasion,
buvait du compoassou, mais la mangue guyanaise, c'est le bouillon d'Awara. Enfin, j'ai besoin de sentir dans ma chair pour ne pas mentir à ma page, qui, j'espère, ne va pas vous mentir à vous. C'est juste une question d'honnêteté. Guyane avec un S. Oui. Ben, si je devais écrire un livre sur Marseille, ce serait Marseille avec un S. Parce qu'il n'y a pas qu'un Marseille. Il n'y a pas qu'un Marseille. Si vous êtes au Goude, ce n'est pas la même chose que si vous êtes, je ne sais rien, moi, à Saint-Antoine ou si vous êtes au 5 Avenue. Donc, c'est une ville. Trois personnages, vous avez trois visions de la Guyane en plus. Enfin, c'est assez clair. Alors, j'ai fait sciemment exprès. Et là, je me rends compte, en parlant avec vous, que les 9 tomes que j'ai fait avant sur la Sud brésilienne, j'ai employé le même procédé. C'est-à-dire, il n'y a rien de pire que de. C'est comme si je m'étais mis à jouer au Guyanais sans lettres. Et donc, j'ai des copains et des copines qui m'ont dit « Ouais, mais on va t'écrire en créole, certaines... » Et j'ai dit « Non, je veux pas. » Donc, j'ai pris trois personnages, une qui vient d'Aix, l'autre de Paris et le troisième du Brésil. Donc, ce sont trois candides qui découvrent le dernier, la crapule, évidemment, il est au sommet de l'État. Les deux autres, il y en a un qui est un peu au milieu et elle, Clara, est tout à fait en bas. Et donc, on voit la Guyane à travers leurs yeux. Donc, je suis pas là en train de dire « Voilà ce qu'est la Guyane. » Ce sont mes héros qui découvrent la Guyane pour la première fois, qui disent avec des erreurs, avec des outrances, mais aussi avec quelques vérités qui ne font pas toujours plaisir aux Guyanais. Mais je crois que c'est une façon qui pour moi me semble moins malhonnête. Ah oui, parce qu'il y a aussi un truc aujourd'hui, on ne peut plus écrire sur n'importe quel sujet. Hein. C'est interdit. Je pense qu'un de ces quatre, je vais prendre un procès pour réappropriation culturelle sur la musique brésilienne. Sauf que j'ai fait une quarantaine d'interviews, si je ne les avais pas faites, on ne les aurait pas aujourd'hui. Donc au bout d'un moment, il faut savoir pourquoi on fait les choses et jusqu'où on veut aller. Donc pour moi, il n'y a pas de réappropriation culturelle. Il y a un respect absolu. Le livre, alors en Guyane, c'est comme Marseille, rien ne se fait comme ailleurs. Un livre, il a une date de sortie précise. Je suis arrivé 3 semaines avant la date de sortie précise à Maripasoula. Maripasoula, la médiathèque, elle est grande comme... à peu près du poteau jusqu'aux escaliers et jusque voilà, c'est à peu près ça, c'est tout petit, c'est minuscule. Et le médiathécaire, GG, le bien nommé, m'a fait venir pour ensuite, on est allé voir les Wayana, etc. Et c'était absolument génial. Et il me dit, ce soir, on fait le lancement de ton livre. Je dis, mais tu peux pas l'avoir, il sort dans 3 semaines. Et il me dit, mais on est en Guyane ici. Donc, j'arrive et je vous promets, j'avais la trouille. J'avais la trouille. Autant au Brésil, j'ai pas de problème parce que ça fait plus longtemps que je l'aime. Mais là, est-ce qu'on peut dire qu'on connaît un pays? Pour moi, la Guyane est un pays quand on l'a fréquenté qu'une bonne dizaine d'années. Et donc, et puis les Guyanais, c'est comme les Corses et les Marseillais. Hein, c'est-à-dire, si tu parles de ma ville, je te tue. Si tu n'en parles pas, c'est je te tue aussi. Quoi. Donc, et là-bas, ils ont le sabre de jungle facile. Et je vous promets, je vais essayer de... voilà. J'ai l'émotion, non mais c'était trop beau, il n'y avait pas 3000 personnes, il devait y avoir une trentaine de personnes qui m'attendaient devant la médiathèque, et ils ont fait une espèce de V, et quand je suis passé, ils m'ont applaudi, et là j'ai pleuré, mais c'est, voilà, mais bon, c'est comme ça, il faut écrire des livres pour de bonnes raisons, et je crois que ce livre-là, comme les autres, d'ailleurs je ne l'ai pas écrit pour me faire plaisir à moi, ni faire plaisir à ma mère, bien évidemment, mais je l'ai écrit peut-être pour de vraies raisons, et qu'il n'y ait pas un roman historique sur la Guyane, avant moi, ça me semble une aberration totale. Vraiment, je ne comprends pas. Alors, je trouve que c'est d'autant plus intéressant en ce moment. Alors, on voit ce qui se passe de tragique en Nouvelle-Calédonie, sans faire de comparaison aléatoire, mais... un territoire à peu près équivalent, qui a subi la colonisation, le bagne, des déportations de population, des choses assez terribles avec une histoire chaotique et très compliquée. Est-ce qu'on peut faire des ponts, des miroirs avec la Guyane actuellement, en termes d'identité, en termes de... La Guyane, c'est un territoire dont on n'entend jamais parler. Tant que la France aura une attitude colonialiste avec ses territoires qui ne lui appartiennent pas, oui. Est-ce qu'il y a des problèmes en Guyane? Oui. Est-ce que ce sont les mêmes qu'en Nouvelle-Calédonie? Je pense que oui, mais je ne suis pas allé en Nouvelle-Calédonie, donc quand je n'ai pas de preuves, je ferme ma gueule, de préférence. Tout ce que je sais, c'est que la Guyane reste française pour une raison, et pas 36,
Faites-moi penser à vous raconter l'histoire de Macron et de la montagne d'or, ça va vous faire beaucoup rire. Macron qui croyait que Cayenne était une île, hein, que la Guyane était une île, pardon, parce que Cayenne est une presqu'île, c'est autre chose. Et donc, c'était quoi la question, pardon? Non, la situation en Nouvelle-Calédonie, oui, finalement. La France ne garde la Guyane comme territoire français que pour une seule raison. Il n'y en a pas 36, c'est le pas de lancement de Kourou. C'est le seul pas de lancement pour l'Europe entière. Et quand on sait les dizaines de milliards que les programmes d'aérospatial coûtent et génèrent comme profit, ils peuvent pas, enfin, l'Europe ne peut pas se passer de Kourou. Donc on achète la paix sociale, on l'achète très très cher. Et rien n'est fait. Moi, c'est quelque chose qui me... On se croirait sous sous la mandature de Gaudin. Il n'y a rien qui bouge, c'est les petits arrangements entre amis. Enfin, c'est quelque chose de totalement incroyable, alors que la Guyane est d'une richesse. On s'imagine qu'il n'y a que des Blancs et des Nègres qui forment la Guyane, mais il y a des dizaines et des dizaines d'ethnies différentes. Il y a les Hmong, il y a les Libanais, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Donc, voilà. Je trouve ça finalement assez intéressant que, à ma connaissance, les deux seuls auteurs que je connaisse qui traitent de la Guyane soient marseillais et aixois, finalement. Colin Niel, qui a écrit une série de polars sur la... Alors, Colin, on se connaît sans se connaître. C'est formidable parce qu'il écrit de très bons polars contemporains sur la Guyane d'aujourd'hui. Et ça, chaque fois que je fais une intervention, j'allais en parler, mais vraiment, je lui tire mon chapeau. Et ce qui est fou, c'est que il y a une personne qu'on connaît en Guyane qui est une personne formidable. C'est un dessinateur qui a énormément de talent. Et il nous a réservé une chambre. C'est-à-dire que quand c'est pas moi qui occupe la chambre, c'est Colin. Mais on ne s'est jamais croisé. On attend de se voir. Ouais, il y a au moins 30 km entre Aix et Marseille. Il y a le décalage horaire. Mais j'adorerais le rencontrer, bien sûr. Parce que la Guyane étant protéiforme, on n'a pas la même expérience de cette terre. Mais moi, je trouve dramatique que les Guyanais n'écrivent pas sur leur propre terre. Et ça, pour moi, c'est la faute du gouvernement français. Vu que la France veut que la Guyane reste française, c'est donc une faute politique française. Il y a donc là-bas encore, peut-être plus qu'en France, il y a tout un travail, mais de fond terrifiant à faire en matière, encore une fois, de culture et d'éducation. Sauf que ça, il n'y a pas de ruban à couper, donc en règle générale, ça passe après. Mais c'est comme ça qu'on éteint la culture d'un peuple. C'est comme ça, c'est regarder ce que nos amis anglais ont fait aux USA avec les Indiens, c'est comme ça qu'on éteint la mémoire d'un peuple. Et après, pour retrouver, surtout quand il s'agit d'une culture orale, ce qui est le cas le plus souvent en Guyane, entre les Bushinengue et les Wayana, ou les Tupi-Guarani, si vous n'avez pas quelqu'un qui écrit là-dessus, ben ça y est, ça disparaît. Donc moi, encore une fois, petit Bérois, Marseillais, Aixois, j'ai été appelé par la Guyane à plusieurs reprises, et mon rôle, me semble-t-il, c'est d'écrire là-dessus. Il y a des livres qui viennent vous chercher. Eh bien, c'est beau. C'est beau parce qu'on tout pile une heure, voilà. Non, mais c'est fini déjà. Eh ben, je croyais que c'était le début. Non, mais alors, moi, je peux continuer très longtemps. Par contre, c'est peut-être le moment... C'est vrai. Que des Marseillais. Mon Gilles que j'ai eu hier au téléphone. Ouais. Alors lui aussi, c'est comme Rio, qui connaît très bien, mais on connaît ni la même Guyane, ni le même Rio. Et chaque fois qu'on se voit, on parle et de l'un et de l'autre, en se demandant si on parle du même pays. Mais c'est ça qui est merveilleux. Quoique, il y a des salons, presque à chaque fois, il y a des gens qui viennent me voir, donc on est derrière sa table avec ses livres, et il y a des gens qui viennent me dire « Ah, j'ai adoré votre dernier livre », ce qui fait toujours plaisir, et qui me racontent un livre que je n'ai pas écrit. Donc moi, je m'étonne plus de rien. Hein, faut prendre. Alors, je ne sais pas si peut-être vous avez des questions, des remarques, des... Non, je vais poser une question sur la fin, mais du dernier. Mais du coup, il y a plein de gens qui n'ont pas lu, alors je sais. Il y a 600 pages, hein, donc on se tutoie ou on se voit? Oui, on se tutoie. Bah, oui, on se connaît bien, oui. Pourquoi Alors... Ça, c'est quelque chose.
c'est pas agaçant. C'est, pour moi, ça a été magique. C'est-à-dire que ce livre, je vous jure, je suis parti sans histoire, sans personnage, et j'avais en tête qu'une image, mais vraiment une espèce de flash. Alors, j'écris pas sous produits dopants, sous alcool, sous rien du tout. Mais à force de réfléchir, j'ai vu une nuit sur l'océan, deux bateaux à vapeur qui se croisent. Dans l'un des bateaux, il y a une femme, il y a un homme qui va en direction de la France, et dans l'autre, il y a une femme qui va en direction de la Guyane. Et en fait, c'est comme ça que j'ai tressé tout ça. Donc, et bien évidemment, il s'agit de Clara et de Manet, donc l'héroïne aixoise italienne, ce que vous voulez, et Manet, le brésilien. Et donc, le livre a eu beaucoup de succès, il a eu deux prix, et là, je viens d'apprendre que le 6 juin, il avait le prix de l'Académie d'Aix, donc très fier. Donc, je suis très content. Et ce qui est beaucoup plus important, c'est que j'ai reçu un nombre de mails totalement, pour moi, déraisonnables, de gens qui me disent « on a adoré, mais il est trop court, 592 pages, quand même. » Oui, ça peut servir de... pour caler un meuble ou en cas d'émeute, ça peut servir à beaucoup de choses. Et surtout, qui me disent « on veut la suite ». Et alors, est-ce qu'on écrit des suites ? Et là, je vais répondre à ta question. Oui, je vais faire la suite parce que j'ai trouvé la suite. Si c'est uniquement pour que Clara et Manet se retrouvent, ouais, écrit en mode romance, ça, je mets 5 jours pour l'écrire. C'est pas un souci. J'ai besoin d'avoir une vraie histoire. Et la vraie histoire, je vais vous la raconter. Quand je dis vraie histoire, c'est une histoire historique. On est, mais alors là, c'est magnifique, comme les rivières souterraines, Barou appelait ça les rivières souterraines, peuvent se conjuguer pour vous emmener ailleurs, pour vous emmener beaucoup plus loin. Et donc, on est en 1876, si ma mémoire est bonne, et on est en France, boulevard Saint-Germain, et on a un nommé Jules Gros, que personne ne connaît, je suppose, enfin, quelqu'un connaît ? Non. Jules Gros, géographe de son métier et pseudo-journaliste. Et ce Jules Gros entend parler, et je vous jure que l'histoire est véridique, il entend parler d'un territoire qui se situe quelque part entre la Guyane et le Brésil, qu'on appelle le Contesté brésilien, ça certaines personnes connaissent, mais à l'intérieur, il entend dire qu'il y a une ville qui s'appelle Kunani, C-O-U-N-A-N-Y ou N-E-I selon les orthographes, et que cette ville n'est dirigée par personne. Donc pendant quelques années, et il faut être fou, alors je ne sais toujours pas si c'est un Bernard Tapie ou si c'est un doux rêveur, ce mec-là va s'autoproclamer président de la République libre de Kunani, sans avoir mis les pieds, hein, ça ne le dérange pas. C'est un aventurier Wikipédia, s'il y avait eu Wikipédia. Et donc, non seulement il fait ça, mais il ouvre des ambassades à Rome, à Turin, à Paris, un peu partout, à Londres. Donc on commence à le prendre au sérieux. Il invente un drapeau, il fait battre monnaie, il trouve une, pardon, une maxime, je ne sais plus ce que c'est, paix, confiance, loyauté, enfin un truc comme ça, et tout le monde mais plonge comme un seul homme. Et donc, très peu de temps après, il s'autoproclame roi de la République. Alors, j'ai un pote avocat, j'ai demandé si c'était possible, il m'a dit non, ça c'est pas possible, on ne fait pas. Donc, mec un peu fou. Et alors, ce qui est important, j'ai dit qu'il est géographe, c'est que Jules aujourd'hui, comparé à un géographe à l'époque, il passerait totalement inaperçu. On est en pleine période coloniale. Donc, les géographes, il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça, les géographes sont ceux qui vont dans des territoires inexplorés et qui ramènent des informations. Donc, ce Jules Gros qui était obscur, avec sa République libre de Kunani, il se dit « voilà, je suis un chef d'État maintenant ». Et donc, avec femme et enfant, un jour, il se dit « je vais quand même aller dans mon royaume ». Et après des histoires qu'il me reste à raconter, il arrive à Kunani, où il y a à peu près 40 personnes. Ce sont des marigots, il y a la malaria, la fièvre jaune, il y a les matoutous, il y a tout ce que vous voulez. Et il tombe dans une dépression, mais vraiment grave. Et à ce moment-là, pardon, il dit à sa femme et à ses enfants, on rentre, mon rêve de gloire s'est éteint. Et donc il rentre à Paris et quelques jours après, il meurt de désespoir. Évidemment, et là c'est un clin d'œil à l'or de Blaise Cendrars. Quand il meurt, un coup de pioche bien donné sur le territoire de Kunani découvre un filon d'or extraordinaire.
Et ça, pour un romancier, c'est quelque chose de juste fabuleux. Donc voilà comment je vais pouvoir rabibocher ou pas. Ça, c'est mon stylo qui le dira. Moi, j'ai aucune information. Clara et Manet, parce que Manet, lui, est brésilien, il a été chercheur d'or, il a vécu en Guyane, il parle couramment français, il va se retrouver à Paris par un hasard romanesque, il va être le secrétaire particulier de ce fameux Jules Gros, et Clara, qui va être, elle, qui est retournée à prisonnière, hélas, à Cayenne, je pense qu'elle va prendre la défense, non pas des Wayana, mais elle va prendre la défense des Bushinengue, qui étaient les premiers nègres libres. Et donc je pense que leurs intérêts vont s'affronter, et là ça commence à donner du romanesque, à donner quelque chose qui a du sens. Donc je ne sais pas si je ferai 600 pages, 300, 800, j'en sais rien. Mais les éditeurs aujourd'hui vous disent, c'est très bien, mais est-ce que tu pourrais enlever 50% de ce que tu as écrit? Pourquoi c'est pas bon? Non, le papier a pris 50%. Elle va vendre des fèves, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais on en est là, madame. Donc oui, il y aura bien une suite, mais avant, j'ai Valadon qui sort en septembre, donc qui est sur la liste de tous les prix littéraires, paraît-il, et Suzanne Valadon, qui était la mère de Maurice Utrillo, le peintre, et qui était une femme absolument exceptionnelle. Là encore, pas les féministes parce qu'elles le connaissent, mais les néo-féministes qui croient tout connaître. Jetez un coup d'œil sur la bio de Suzanne Valadon, vous verrez ce qu'est la liberté en action quand une femme décide de la prendre. Et là, moi, j'ai pris une claque, mais vraiment phénoménale. Ben là, j'ai 4 livres qui sortent d'ici la fin de l'année et on m'en a commandé 5. Donc oui, je crois que j'ai 2 ans à peu près complet, quoi. Vu que je ne vais rien faire en juillet-août à cause des Jeux Olympiques, parce que j'ai pas envie de me retrouver coincé quelque part. Qu'est-ce qui est le plus jouissif pour un écrivain de romans historiques? Est-ce que c'est de se réapproprier comme ça des personnages historiques? Ou est-ce que c'est des fois de les mettre dans des situations, de les faire interagir avec des personnages que vous créez, Qu'est-ce qui est le plus jouissif, c'est de ne pas endormir son lecteur. Déjà, pour moi, c'est une grande victoire. Et puis, c'est surtout donner à connaître ou à mieux connaître des choses avec lesquelles on a vécu pendant au moins une année. Moi, il ne se passe pas... Je ne peux pas écrire sur des romans historiques de poids. Si j'ai pas étudié le sujet pendant 1 an au moins, ça c'est vraiment le minimum. Et quand des gens viennent me voir en me disant vous faites du page turner, j'adore ça, ça me fait plaisir, mais quand en plus ils ajoutent mais j'ai appris plein de choses, je suis sorti plus riche que ce que j'étais entré dans votre livre, là je commence à rougir comme une rosière, oui, ça j'avoue. Le travail de recherche justement, enfin pour Guyane, parce que j'imagine que les archives de la France coloniale, enfin, vous avez trouvé où, comment vous avez fait, enfin, c'était sur place, c'était... Chaque fois, je rends hommage, et ça, je m'adresse à vous toutes et à monsieur qui est ici, il y a un site absolument extraordinaire, c'est le site du CNL, le Centre National du Livre, et le site s'appelle Gallica, G-A-2-L-I-C-A, vous connaissez? Voilà. Sur Gallica, il y a 3 millions, je crois, de documents qui sont numérisés et vous avez accès à absolument tout. C'est-à-dire, vous tapez des mots-clés, vous n'avez même pas à vous inscrire, ils ne vous demandent pas votre numéro de carte bleue, vous pouvez télécharger les documents qui sont scannés, numérisés. On va dire sur 80%, c'est quand même des bons scans. Et vous avez accès à des livres qui n'existent plus aujourd'hui, mais parfois qui n'existent plus du tout, quoi. Il reste les 10 exemplaires obligatoires en dépôt à la BNF. Donc pour moi, c'est... j'ai dit CNL tout à l'heure, non, c'est BNF, c'est Bibliothèque Nationale de France. Et pour un auteur, c'est quelque chose de... C'est un outil vraiment extraordinaire. En tout cas, si j'ose me permettre, d'abord je remercie l'ARL, la médiathèque des 5 avenues. Et du panier, pardon, excusez-moi, je me regarde à vous. Et aussi les lecteurs qui viennent, parce que quand je disais que la littérature générale était en danger, je viens de passer 3 ans au CNL, au Centre National du Livre, à la Commission Roman, donc j'ai dû m'enfiler ce qui était sorti à peu près ces 7-8 dernières années en matière de littérature générale. Je ne citerai pas de nom, mais la chute catastrophique qu'on voit dans l'éducation nationale se ressent de plus en plus maintenant, à mon avis, tout dépend où on met son curseur d'exigence, mais je nourris des craintes vraiment... énorme, c'est-à-dire on est en train d'être complètement vampirisé aussi par ce mode anglo-saxonne qui est la romance, la new romance. Il y a des trucs gothiques aussi,
La dark romance. Ah oui, c'est là où ça baise partout et où il y a la maman avec sa fille de 13 ans. Ma fille, elle le lit. Alors ils font un fist fucking et voilà, c'est... Pardon, on coupera ça au montage, ouais, c'est pas grave. Mais non, c'est tant que les gens lisent, bien sûr, il y a de l'espoir, mais je suis pas persuadé. J'ai 25 ans, je crois, de mise en perspective de ce qu'était la littérature générale et ce qu'elle est aujourd'hui. Et dans les salons, ça fait 10 ans. Il y a 10 ans, les influenceuses qui font la romance, amenaient ces jeunes femmes, en règle générale, mais peut-être comme ça, installez-vous ici. Donc voilà, je trouvais que ce n'était pas très sympa pour elles. Et quand ils ont vu qu'elles faisaient de plus en plus de succès, maintenant... elle signe avec les auteurs qui sont fous de rage, parce que moi j'ai vu des auteurs, même Yasmina Kadra qui signe beaucoup de bouquins, mais à côté d'une influenceuse, ils signent rien, quoi. Et donc je pense qu'à un moment donné, on va nous dérouler le tapis rouge, à nous les auteurs de littérature générale, excusez-nous, on va vous mettre dans un coin bien tranquille, et on va avoir 250 hystériques, parce que les gamines qui achètent ça, ce sont des hystériques, hein, 9 fois sur 10, moi je les entends pendant 3 jours d'affilée, les dialogues qu'elles ont avec les auteurs, mais c'est juste improbable. Sans aller jusqu'à Victor Hugo, Rousseau et Zola, enfin, il y a quand même 2-3 trucs, on a perdu des plumes dans la bataille. Donc je crois qu'on se contente de plus en plus du moins, en se disant qu'au moins tout le monde le comprendra, mais je ne suis pas persuadé que le nivellement par le bas apporte beaucoup de choses à la nation qui l'applique. Et ça, ça n'engage que moi, et on ne le coupera pas. Non, on gardera. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Merci à vous.